Le golfe de Kourou est vraiment un super spot pour observer la faune guyanaise. À 5 minutes de chez nous, on peut s'y rendre très facilement dès qu'on a un peu de temps. Sa proximité avec la ville n'enlève rien à la qualité des rencontres animalières. On peut par exemple y croiser l'excentrique tamanoir, des singes, des paresseux et de nombreux oiseaux comme les toucans, les caciques ou encore les manakins. Ces derniers ne sont pas les plus faciles à voir, mais méritent toute notre attention. Parmi les espèces que l'on peut admirer au golfe, on retrouve le manakin casse-noisette, le manakin auréole et le manakin tigé. Les manakins sont les stars du sous-bois, de petits danseurs appliqués et accomplis. Pour attirer les femelles, les mâles se mettent en scène dans des arènes qu'on appelle lek et se livrent à des parades nuptiales spectaculaires. L'espèce la plus connue en Guyane qui parade dans des lecs est le coq de roche. C'est plutôt pratique pour les femelles qui n'ont qu'à visiter une zone de danse et choisir un prétendant pour assurer leur descendance. Les stratégies de séduction diffèrent selon les espèces, mais sont toutes fascinantes à observer. Elles consistent la plupart du temps à accomplir une chorégraphie cadencée et méticuleusement préparée. Cela demande beaucoup d'efforts et depuis quelques jours, les manakins sont très actifs à l'entraînement. Les mâles manakins ont beaucoup d'interactions sociales. C'est flagrant chez les tigés où les femelles attendent clairement une parade en groupe. Les manakins peuvent vivre une quinzaine d'années, ce qui donne le temps aux mâles de créer des liens complexes permettant d'aboutir à des chorégraphies très élaborées. Après des années de transmission et d'entraînement, le résultat est tout simplement extraordinaire. Les mâles ne sont pas en compétition, chaque individu a sa place. De jeunes mâles tentent d'intégrer un groupe pour apprendre de leurs congénères plus expérimentés. Mais c'est bien le mâle dominant qui se reproduira si une femelle est convaincue par la prestation du groupe. Il émet alors un son très particulier pour disperser les autres membres du collectif. Les manakins tigés effectuent des danses synchronisées en plusieurs actes, mettant en lumière des subtilités que seules les femelles manakins savent pleinement juger. Le but est de proposer une représentation de plus haut niveau que les autres groupes du golfe, car la concurrence est extrêmement rude. L'erreur n'est pas permise, car si une femelle venait assister à une chorégraphie, la danse devrait être parfaitement calibrée. I feel it.
assiduité, opiniâtreté et fraternité. C'est la devise des mannequins qui passent une grande partie de leur vie à peaufiner leur danse pour espérer un jour séduire des femelles. Une véritable vocation. Autant s'y prendre dès son plus jeune âge, car c'est un travail qui prendra de nombreuses années. Ce jeune mâle a validé une première étape. Il s'est trouvé un adulte expérimenté pour apprendre et s'entraîner. Il devra attendre son tour pour espérer séduire une femelle, mais endosse dès à présent un rôle essentiel dans une vie de mannequin. Il sert de partenaire de danse au dominant qui attend désespérément le passage d'une femelle pour se reproduire. C'est donnant-donnant. Ce mannequin est à son poste tous les matins. Sur sa zone de lek, il attend et effectue des parades tous les jours, espérant capter l'attention d'une femelle qui serait de visite. Faut faire son boulot, ça va payer un jour. Il y a beaucoup de concurrence dans cette zone où plusieurs mâles s'entraînent à quelques vingtaines de mètres les uns des autres. Les parades peuvent avoir lieu en hauteur, mais la zone principale, le cœur de la danse, se déroule ici, sur ces tiges, à quelques centimètres du sol. La zone, au pied de la tige principale, au centre de l'arène, est parfaitement nettoyée. Une scénographie travaillée, c'est la clé. Je suis devenu maniaque depuis cette prestation loupée il y a 7 ans. Ça m'est resté en travers du cloaque, et mes trois plumes à la barbe de l'époque s'en souviennent encore. Les mâles ne participent pas du tout à la construction du nid ou à l'émancipation des jeunes. Les relations sociales entre mâle et femelle se limitent à l'accouplement, lors d'une visite express et rarissime d'une femelle dans un lek. Allez, cette fois c'est la bonne, mec. Vas-y, pas de stress, c'est ton moment. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?